salut à toutes et à tous, c'est Rogi, aujourd'hui je me retrouve en compagnie d'Elwix. Comment ça va mon cher? Salut tout le monde, comment que ça va? Ça va très bien, et toi, la vie des enfants, le petit café et tout, et quel autiste il est tombé dans l'eau. Mais c'est la suite, la décadence, l'enfer, tout ce que vous souhaitez. En tout cas, j'espère que les amis, vous allez parfaitement bien. Bah oui, nous, j'espère bien. On tourne ça exactement à la suite parce qu'il me faut des vidéos d'avance, parce que comme vous le savez sur ma chaîne... Nous sommes très peu disponibles. Non, même moi je pars au Danemark une semaine, donc voilà. Ah. De toute façon, il y aura... bah oui, c'est mercredi mon cher Zelvix, sachant qu'on tourne le lundi soir. Donc voilà pourquoi c'était essentiel de tourner. On va partir vers cette intersection qui est la couleur bleu clair, puisque voilà, tu l'as pas regardé. Et on va pouvoir y aller tranquillement. Donc nous avons toujours pas trouvé le monument de la victoire. Zelux a essayé de tricher, mais il l'a pas trouvé non plus. Donc j'étais sur le point de trouver, mais j'ai eu la flemme de regarder toute la vidéo. Donc on le trouvera par nous-mêmes. Donc voilà. Alors attention. Ah, les panneaux. Ah, vas-y, alors... traducteur pro. Il y a longtemps, il y a bien longtemps, cette cave était plein d'arbres et d'herbes gardées par la nature, mais pour certaines raisons, tout s'est transformé, les arbres ont été déracinés, les animaux sont morts, l'eau a disparu, et maintenant il n'y a plus rien, sauf des ruines, une forêt, pétrifié, et puis il y a du brouillard et tout, et plein de secrets. Ça, c'est pas beau à voir. Attends, il y a des panneaux ici. Ah, oui, exact. Alors, indice. On n'a pas besoin d'aller en bas dans la forêt. Cela contient juste quelques petits loots. Quelques bons loots. Ouais. Alors, c'est le bordel juste à première vue. En effet. Il y a du monde sur le pont. En effet. J'ai des torches, donc je peux faire quelque chose. En effet. Et j'ai un arc, donc je peux buter ce creeper qui va nous faire... Je te signale aussi que pour la première intersection, on avait oublié de ramasser le double coffre. Ah bon? Ouais. Ah oui, le double coffre, on avait oublié. Hop. Bon. Oh putain. Oh bordel. Y'a du monde sur le pont. Non, le pont va... Plausey. Ah non, c'est bon. Ok. Bon. Allez, toi tu dégages. Allez, éclair! J'ai plus de torches! Je sais pas. J'ai failli tomber par contre. Oh! Ah. What? Ah, c'est parce que j'ai fait une table de craft? D'accord. Ça a lancé les machins. Je vais paralyser ce spawner. J'ai plus de torches. OMG! OMG! Quoi? Y'a du monde! Y'a du monde! Oh putain! Y'a du monde! Allez, bon, c'est bon. Hop, au revoir. Il me poursuivait pas, donc c'était tout bénef. Là-bas, il y a un Nether Chest aussi. Je... Ah non, c'est un spawner. Je ne vois pas bien. Oh, tu as vas-y, fait me faire tomber. Eh, hey, j'ai une épée efficiency. Oh, j'ai fait un trou. Ah non, c'est bon. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah, il y a des pommes. Je prends. Torche. Oh, potion. Attention, il serait peut-être assez intelligent qu'il ait foutu des. Je sais pas, des trous dans ce pont. Ce serait con qu'on tombe, d'après ce qu'il a marqué, que c'était inutile, mais on descendra à la fin. On veut les bons loots, nous. On descendra. Sauf si c'est un troll et qu'en fait, il n'y a rien du tout. Ouais, ça se trouve, il n'y a rien du tout en haut et on finit la zone. Bon. Au moins, on aura la fierté d'avoir fini cette zone. On a fait un petit peu plus de carottes, je sais pas si vous avez remarqué. Oui. Je vais garder des pommes. Ah, voilà. Là-bas, il y a la suite du pont. Ok, alors attends. Faut qu'on se planifie, hein, voilà. Il y a deux coffres qui sont très intéressants. Bah en face là, à la suite du pont. En effet. Ensuite, OMG. Y'a du people. Salut. Fais-les tomber, hein, c'est plus simple. Ah ouais, en effet. Par contre, j'aimerais pas te faire tomber en fait. Ah, et nous loot quoi? Ah, nous loot du stuff en fait quand les buts. Ouais, mais c'est du stuff en cuir donc c'est inutile. On va aller par là. Comme attends, ça. Lui, je m'en occupe. Ok, vas-y. Ah, voilà, des spawners. Ah, des coffres. Des coffres cachés. Un coffre. J'ai détruit les mobs spawners. Oh mon dieu. Je prends ça. Je prends ça, je prends tout. Merci. Voilà. Hop. Bon, je suis quasi... Attends, moi j'ai le même plastron que toi en fait. Ah oui. T'as quoi sur ton plastron? J'ai Blast Protection 2 et Unbreaking 1. Voilà, j'ai exactement le même. Et par contre, ma tête et mes bottes, ils sont presque usés. C'est problématique parce que c'est les deux trucs enchantes que j'ai. Bon, on trouvera, si je trouve une tête, elle sera pour toi, t'inquiète pas, moi c'est pas trop usé.
Okay. Bon, on va descendre doucement. Voilà, on fera pas qu'on tombe bêtement. Je suis sûr qu'il y a un pont dans ce trou en plus. Un trou dans ce trou. Un pont dans ce trou, bien sûr, mes amis. On va aller à droite là. Comme ça, on aura vu toutes les intersections. J'espère que cette série vous plaît toujours. En tout cas, c'est toujours un plaisir de la tourner. Oh putain, c'est magnifique le ciel. Oh putain. C'est pas le moment de regarder le ciel. Le paysage. L'heure est de regarder le paysage, vois-tu. Nous sommes ici. Oh putain, il y a de l'eau. Foufou. Oh, il y a du monde ici. Ouais, je vois ça. Je vais éclairer. Vas-y, fais diversion, j'ai trouvé le spawner. Attention. Fais diversion, j'ai dit. Merci. Bah, j'essaie de faire diversion. Lol, je suis tombé dans le seul trou qu'il pouvait y avoir. Manger un coup. J'aime pas cette zone avec l'obsidienne, mais c'est pas grave. Ouais. Hop. Hop. Continuons. Alors. Économisons les torches un petit peu. Voilà, donc par là y'a rien. Lui, on va le. Ah, là-bas y'a deux coffres. Ok, on en prend un chacun. Ouais. J'arrive te couvrir. Oh putain. Oh. Ah non, recule. Faut pas qu'ils explosent. C'est bon, j'ai un arc. Vas-y, moi aussi. C'est vrai. Oh, bon bah voilà. Vas-y, on éclaire comme des gros pas. On pète. Ok. Ah, des bottes. Ah, j'ai l'épée. C'est un merde, tu veux que je te laisse quelque chose? Ouais. Les bottes, t'en as besoin? Ouais, les bottes. Tiens, allez, je te laisse les bottes. Et j'ai presque plus d'épée non plus. Ah, tiens, je te laisse une épée en empire en même temps. Ah, merci. Je t'aurais tout donné. Tu veux un arc aussi? Non, j'en ai un. Ah, voilà. Bon, tiens, j'ai une idée. On va se donner de l'XP mutuellement. Ça veut dire. Partouze! Voilà. Je suis niveau 36, hein, je tiens à préciser. Niveau 28. Oh putain. Hop, bon, parfait. Tu m'as pas donné les bottes? Si, je les ai laissées dans le coffre. Putain, j'ai failli pas les prendre. Hop. Par contre, j'ai plus beaucoup de torches, moi. C'est pas folichon, tout ça. Tac, j'arrive. Moi, j'en ai 14 et j'ai un peu de charbon pour pouvoir. Je regarde un petit peu ce qu'il y a en bas, quand même. Ouais, ça. Non, t'inquiète, je suis pas comme ça. Allez, go. Putain, en fait, je m'étais mis en QWERTY, j'ai failli reculer, en fait. Ah, je pensais que tu pensais que j'allais te pousser. Non, mais non. Je m'en suis douté. Pour le bienfait de l'aventure, que tu ne devais pas me pousser. Non, je l'aurais fait, je pense. Non, je rigole. Ah, attention. On a des zones à explorer. Ici, y'a rien. Hop. Je monte. Oh là là, le nombre de spawners sur le pont. Merde. Si t'as besoin d'une potion de heal, cours jusqu'à là-bas, t'inquiète pas, moi j'ai tout ce qu'il faut. Cours jusqu'à là-bas, éclair. Buzz de l'éclair, à la rescousse. Ah, un coffre des araignées. Oh putain. Deux Under Pearl, bah j'en prends une. J'en prends une. Voilà, un chacun. T'as pu péter parce que toi tu pètes plus vite que moi en fait. Moi avec ma vieille pioche en pierre, ça va doucement. Tac. Putain, j'ai plus de torches, hein, je l'annonce officiellement. J'en ai quelques-uns, je peux t'en refaire si t'en as besoin. Ah ouais, j'aimerais bien que tu m'en refasses après avoir éliminé honteusement ce. Voilà. Voilà. Bon, alors. Tu avais des torches à me donner. Ouais, je vais faire des torches. Tac. Je protège en attendant. Je regarde tout autour de moi. Charbon. Je t'enfile la moitié. Parfait. C'est parfait. Merci, on va avancer comme ça. Bon, alors, par contre, du coup, comment on fait pour. Ah là-bas, il y a un coffre avec un panneau dessus. Où? Là. C'est dans la zone éclairée, faut y aller. Attends, j'essaie de lire ce qui est marqué. Wonders. Attends. Alors, attends. Wonder. Attends, j'arrive pas à voir. Wanderer's Best Friends. Ok. Ok, bon, bah. T'es sûr que t'y vas? Ouais. Dangereux, hein. Si là, tu tombes, t'es mort en fait. Sans blague. Bon, passons, moi j'ai pas cette bloc. J'ai une Under Pearl. Je t'accompagne, si jamais y a un méchant ami qui spawn, ben je le buterai à l'arc. Méchant ami? Ben, par exemple, un archer. L'archer. C'est pas un ami. C'est un méchant ami. Hop, bien joué. Hop. Des briques. OMG, oh là là, il fait mal. Oh putain, oui. Tue-moi ce type. D'accord. Oh, t'as reçu des bottes. Dans ce coffre, il y avait plein de torches. Je te file un stack. Oh, merci.
Et des briques. C'est bon, ça. Attends, là-bas, il y a une descente, je vais voir ce qu'il y a. Doucement, doucement. Il y a rien. Ok. Ok, donc ça, c'est fait. On va voir s'il y a rien d'autre sur les autres côtés. Pendant qu'on est là, hein, vaut mieux qu'on vide la zone. Attends, il y a un zombie là où je vais le buter. Ouais. Si j'y arrive. C'est bon. Ah oh, merde. Tu vas pas mourir. Ah non, t'inquiète. Ça va être long à péter. Attention, un méchant copain est derrière toi, mais c'est pas grave, je le bute. T'inquiète, si c'est un copain. Mais là, on a assez de torches pour éclairer toute la zone. C'est absolument fantastique. Ouais, ils sont très généreux. Pile poil, quand on a besoin de torches, on en a. C'est perfecto. Vois-tu ouais. Quelque chose en haut? Oui, un coffre. Ah, il y a quoi dans ce coffre? Qu'on partage un petit peu les loot. Alors, il y a une pomme en or, pas mal de pommes et quelques steaks de zombies. Je te file la moitié de tout. Merci, voilà, c'est bon. Okay, il y a un spawner en bas. Ouais, je vois ça. Avec des araignées. Va falloir rejoindre le pont à un moment. Bah, mais vite fait qu'on vide la zone au moins. Oh! Naze. J'éclaire la zone avant que ça respawn en trop. Ah! C'est moi! Oh. Vas-y, je détruis. Aïe, je vais mourir! Putain, je m'en occupe. Putain, c'est pas grave, je suis en train de. Pomme en or. Oh putain, pomme en or. Et repomme en or. Bon, j'ai bouffé deux pommes en or. J'ai détruit ce putain de spawner. Ok, j'ai survécu. Grâce aux pommes en or. Pomme en or. J'en ai plus. Moi j'en ai besoin. Moi j'en mange, je veux dire. J'en ai bouffé deux d'affilée. Attention, derrière toi. Oh. Mais il spawn d'où tous ces enfoirés? Putain, mais il a foutu le spawner, je sens qu'on va se casser. Ouais, on dégage. Ouais. On n'est pas passé par là, c'est pas grave, moi je redescends pas, moi. Ouais. Là-bas, il y a un double coffre. Il y a un double coffre. Oh putain, ça pue les pièges, mais on s'en fout. Bon. On le tente, le double Je récupère un peu ma vie d'abord. Attends, j'ai une potion de speed, je vais utiliser. Pas grave. C'est parti. Oh putain. Oh mon dieu. Fais diversion. Oui bah là je suis en train. Je suis en une train. Pelle. Vas-y éclaire au lieu de reprendre les coffres. Vas-y éclaire. Oh oui. Éclaire. Putain d'épée. C'est bon, on se casse. T'as tout pris? Ouais. Même dans le coffre à l'intérieur. Oui, tous les trucs intéressants. Bon, j'ai une épée trop bien en fer. Smite 2, Fire Aspect, Looting, je la mets à ma place. Pas de problème, et t'as eu quoi d'autre? Et dans l'autre coffre, il y avait des livres d'enchantement. Alors, il y a Knockback 2 et puis Knockback 2. Bon, on peut faire spawner un Wither si on veut bientôt. Bon, on va retourner sur le pont. Underpearl. OMG. Non, parce que tu vas te foirer l'Underpearl. Donc, vaut mieux y aller à pied. Non, c'est tout bête, regarde. Qui m'a poussé? Personne. Je t'ai pas touché, personne. Qui c'est? Ah d'accord, je sais pourquoi. Donc voilà, la preuve que Zeus est ce qui est mort bêtement. J'ai mis l'Underpearl sur la liane. Et quel autiste. Je savais pas que la liane ça empêchait les Underpearls. Est-ce qu'on autorise la TP? Vas-y, allez. Oui. On est tout folichon parce que là t'as respawn à 30 km. Bon, il va falloir que je reprenne mon stuff. Ouais, bah moi tu vois, en y allant en mode safe, bah tu vois, je suis toujours pas mort, donc non, attends, vous pouvez toujours continuer à voter. Que je récupère mon stuff. T'inquiète pas, mais vous pouvez toujours continuer à voter dans les commentaires pour celui qui aura le plus. Où est-ce que j'ai sauté? Ah, c'était là. C'est un peu plus haut. Ah, putain. Ok, ça va être chaud de récupérer son stuff, il est tout en bas. J'espère que t'auras des flèches, parce que moi j'en ai pas. Ok, bon. Mon stuff est censé être par ici. On peut pas récupérer les flèches qu'ils ont mis par terre. Oh mon dieu, j'ai jamais récupéré mon stuff là-dedans. Moi. J'espère que t'auras des flèches parce que là on est un peu bloqué. Déjà, on a deux mauvais copains qui ont spawné.
Donc, on tire dessus. Est-ce que je tente l'Enderpearl? Peut-être, non, va peut-être falloir que tu m'aides là parce que mon stuff, bah, je suis en dessous. Ok, j'arrive, je remonte. Voilà, on galère dans le donjon numéro 3, voilà, ça commence. Surtout que pour le moment, on a fait quoi? Un centième de la map? Non, un millième du donjon plutôt. Et on en est déjà au septième épisode. Non mais, je comprends pas. C'est pas possible que... J'ai sauté de sur quel pont? Mais t'as sauté comme un autiste d'ici, là, où il y avait tous les mobs. Donc t'es tombé encore en dessous. Un Wither. Oh là là. Putain. Oh là là, mais moi, là, je redescends vers l'endroit où il y a tous les coffres. Tiens, je vais partir de l'autre côté, hein, à un moment. Putain, je vois pas mon stuff. Ah, je vois encore... En fait, t'es tombé tout en bas. Bah oui. Je crois bien. Mais en fait, je OMG, sais plus. OMG, putain. Oui, j'aime bien dire OMG. Toi, tu t'es barré de l'endroit où j'étais, du coup, je sais pas où j'ai sauté en fait. Putain, mais ils vont me faire chier combien de temps ces mobs de merde. J'ai beau avoir éclairé toute la zone, alors là, mec. J'avais plein de stuff trop bien. Mais t'es tombé d'ici exactement, là. Je pourrais voir ton stuff, t'es tombé tout en bas. Où? T'es où? L'endroit où... Putain, j'en ai marre, quoi. Ouais, mais c'est où? À l'endroit où... où, tu sais, on se faisait agresser par tous les enculés, comme maintenant. Tous les... Putain, je peux plus remonter, c'est vrai. Oh, mon Dieu, c'est horrible. Pourquoi ils ont pas fait d'escalier? Pour faire parler les Elwix. Ça marche. Je sais pas où t'es, là, en fait. Ah, tu es là. T'es pas parti du bon côté? Oui, non. Bah merci, j'ai compris. Je cherche à remonter. Comme j'ai pas de pioche ni rien. Non. Quoi? Je galère, mon cher ami. Ah, toi aussi, bienvenue au club. Welcome to the club, bitches. Je viens de chercher. Avec une pioche, c'est possible. Tant. Que ferait Zelwix sans Hiroshi? Ah, putain, j'ai plus qu'un cœur. Vas-y, ne crève pas. Ne fais pas ta deuxième mort, bêtement. Je t'attends. Voilà. En fait, t'es où? Je te vois pas, moi. Lève la tête. Ah oui, ok. Ouah, mais t'es... Ah d'accord, t'es ici, en fait. Ah. Bon. Bah, alors attends, je vais retourner vers ton spawn et je vais te dire quand de TP. On fait un deuxième TP, on pardonne, là, voilà, on est désolé. Je suis TP. Attention, il y a un zombie qui te suit. Trop tard, t'es TP. Putain. Non, tiens, j'ai du stuff pour toi en attendant. Ah oui, une petite TP ou un truc. Ouais, je vais t'armer de cuir déjà. Ah oui. Voilà, parce qu'en fait, vois-tu, comme j'en ai récupéré un peu beaucoup, je peux me permettre. J'ai pas besoin de 50 torts. Ah, je sais pas, moi j'ai vidé mon inventaire. Et ensuite. Bon, une épée. Ou une pioche. J'ai ni l'un ni l'autre en double en fait. Bon bah merci. Hop. Où est-ce que j'ai sauté? Alors, remonte tout en haut. Oh putain. Alors voilà comment perdre un épisode bêtement parce que Zelwix est mort et qu'on veut récupérer son stuff et qu'on a que 5 minutes pour le récupérer, n'oublions pas. Mais d'ailleurs, plus que 2 minutes maintenant. J'ai quasiment plus de bouffe. C'est où que j'ai sauté? Alors, là, regarde, descends et c'est. Non, regarde, ici. Regarde, continue. Et c'est d'ici que t'as sauté. Ah, ok. J'ai fait un escalier là, tu vois, si tu veux. Ah, hop. Oh, un peu de stuff. Ah, de l'XP. T'es tombé où? Bah, je sais pas. Oh putain, bordel de merde. Putain, mais moi je me tape les Wither squelettes dans tout l'épisode. Tuez-moi, s'il vous plaît. Il spawn d'où, l'enfoiré, en fait? Parce que là, j'ai éclairé toute la zone, mais. Bon. Ah. Je vois de l'XP. OMG! Allez, vous faire fister. Il est là! Il est là, je l'ai! Oui, c'est bon, j'ai enfin buté ce spawner de mes couilles. Voilà, c'est bon. Alors, t'as récupéré du stuff? Bah non. Je suis quasiment tout en bas, mais il n'y a aucun stuff. Enfin, c'est ici que t'as sauté. Il n'y a aucun stuff. Par contre, il y a un coffre. Oh putain, ça vient vers moi. Au score! Il va se refaire une mort. Bah oui, je crois mais qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que ton stuff, on va pas le récupérer. Hein. Voilà. Attention, on va devoir se laisser là. Voilà, de toute façon, on va devoir se laisser sur cette pauvre mort. Enfin, sur cette pauvre. Aïe!
Je vais essayer de partir par là vite fait, au moins qu'on avance un petit peu pendant l'épisode. Je veux pas dire qu'on n'a pas avancé, mais... Tu m'aides pas beaucoup, hein, en même temps. Excuse-moi de ne pas t'aider. J'y vais tout seul en pauvre stuff en cuir, sans épée ni rien. Attends, j'y vais, j'arrive. T'es mort ou pas? Non. Vois-tu, j'ai quelques copains qui viennent m'amuser en bas, en haut. Mais c'est qu'un détail, on oubliera ce détail. Bon, de toute façon, on va se laisser là, donc les amis, à plus, hein. Attends, je suis sur le point d'arriver en haut de la montagne. Oh là 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 là, lui, je l'aime pas. Je suis sur le point de redescendre de la montagne. On essaiera de retrouver mon stuff s'il n'est pas trop tard. Hors tournage. Voilà, on va bon, j'ai plus qu'un demi-cœur. De le retrouver. Et il y a un squelette qui me poursuit. Eh bien, Zelwick sur sa 7ème. Oh putain, 7ème mode. Non, 6ème. 6ème. T'es mort? Ah ouais, ouais, c'est vrai. Bon, bah, en tout cas, les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu. Beaucoup de fails, beaucoup de swag, comme d'habitude, comme on aime. Et on se retrouve tout de suite dans le 7ème épisode. Ah, ciao! Salut! Au revoir!